Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. On espère que bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Bon, ça a l'air d'être la grande forme pour ces messieurs. Oui. On est où? On est dans la voiture. Oula. Oui, absolument. Et on vient d'où et on va où? Alors déjà, on vient d'où? En Corse. Oui, on vient de Corse, effectivement. Est-ce que là, on est encore en Corse? Non, on est parti. Alors, on est rentré comment? On est au sud de la France. On est dans le sud de la France, petit cœur. Si la Corse était située au nord de la France, ça se saurait quand même. Hein. Oui. Non, on est dans le sud de la France, précisément. On est rentré comment de la Corse? En bateau. Oui. On a dormi dans le bateau. Tout à fait, on a passé la nuit sur le bateau. Oh, la souffrance. La souffrance. C'était dur d'ailleurs à 6 heures. Hein. Oui, oui. Heures. Faisiez moins les malins à 6 heures. Hein. Et tu vois, on dort jusqu'à notre nuit. Oui, c'était un petit peu dur à 6 heures, mais ça valait le coup. Ouais. C'était très beau, on est arrivé à Toulon. Il y avait un très beau lever de soleil. Bon, ça valait la peine de se lever à 6 heures quand même. Oui, ça allait. Et là, on va où alors? Là, c'est une destination surprise. Ah, vous savez où on va ou pas? Oui. Mais on ne dit rien aux copains et aux copines? Oui. Ah. On vous fait une surprise, les copains et les copines. Effectivement, c'est une destination surprise. Est-ce qu'on essaye de leur faire deviner? Ouais. On essaye? On essaye. Est-ce qu'on essaye comme on avait fait récemment avec un ni oui ni non? Ouais, ok. T'as perdu déjà. Alors, pour ce ni oui ni non, on n'a pas le droit de dire non, bien sûr. On n'a pas le droit de dire oui. On n'a pas le droit de dire ouais. Et on n'a pas le droit de dire ok, sinon c'est trop facile. Ça vous convient? Je vous pose une première question. D'accord. T'as perdu, Néo. C'est bon. Ça commence fort, ce ni oui ni non. Allez, c'est bon. Néo a déjà perdu, ok. On recommence? D'accord, on recommence. Alors, je vous pose des questions et vous répondez? Ok. T'as perdu, Swan. Voilà, c'est bien parti. Hein. On voit que la nuit a été un petit peu courte. Hein. Voilà, les neurones ont du mal à se mettre en route, là. Alors je recommence, donc je vous pose des questions. D'accord. Ok, c'est parti. T'as dit ok? Ah oui, mais moi je joue pas, moi je pose les questions. Ah. Donc cette destination surprise, est-ce que vous y êtes déjà allé? Jamais. Jamais. Néo, comme t'as failli te faire avoir. Jamais, non, effectivement. C'est une grande première pour nous. Est-ce que c'est une destination pour les enfants? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Est-ce que c'est aussi une destination pour les adultes? Ça peut. Ça peut. C'est plus pour les enfants, a priori? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est situé dans le sud de la France, là où nous sommes? Tout à fait. Tout à fait. Swan, c'est trop facile. Tu répètes tout oui, ce que dit Néo. D'accord, là. Dis donc. Dis donc, petit tricheur. C'est trop facile comme ça. Attention, hein, si tu répètes ce que dit Néo à la prochaine phrase, on considère que t'as perdu. Hein. D'accord? D'accord, petit coquin? On donne un autre indice? Ok. Oui. Vous avez perdu tous les deux! Non mais là, c'est la totale! Bon, d'accord. On donne un autre indice? D'accord. Oui. C'est à quelle distance de Toulon, la ville où nous avons débarqué ce matin? Oui, 3 heures de route en voiture, bien sûr. Hein. Tout à fait. Donc là, on est descendu du bateau à 7 heures. Est-ce qu'on a déjeuné sur le bateau? Tout à fait. On a pris notre petit déjeuner sur le bateau? Je crois. Non. Ah, t'as perdu! T'as perdu! Alors, est-ce qu'on a pris notre petit déjeuner sur le bateau? Pas du tout. Je ne sais pas. En fait, on a grignoté un peu. C'est pour ça que Swan, il ne sait plus. On a grignoté un peu, mais est-ce que c'était un vrai petit-déj? Pas du tout. Alors, où est-ce qu'on a pris notre petit-déj? À McDo. À McDo. Absolument, on s'est arrêté. Bacon et aux œufs. Oui, on s'est arrêté sur moi, le trajet. J'ai mangé pioche. Alors, toi, oui. Lui, un Happy Meal à 8h du matin. Incroyable, hein, un petit-déj Happy Meal. D'accord. Et Néo, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ton petit-déj McDo? Il y avait des crêpes au Nutella. Des pancakes. Un hamburger, bacon et œufs. C'est très marrant, original. Ouais, j'ai adoré. Est-ce que c'était votre premier petit-déj chez McDo? Enfin, Néo surtout, puisque Swan, lui, il n'a pas pris de petit-déj. Oui. T'as perdu! Oh.
Oh là là, tu tombes dans tous les pièges. On voit vraiment que vous n'avez pas beaucoup dormi, hein. C'est difficile. Il nous reste une demi-heure de trajet. Non, oui. Pour arriver à la destination surprise. Les garçons, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses autour de vous quand même. Hein. Là, je vois des valises, des sacs, il y en a de partout. Non. Oui. En fait, on avait emmené beaucoup de choses encore, c'est ça? C'est ça. Il vous reste quand même un petit peu de place? Oui. Vous avez perdu! C'est incroyable! Oh là 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 là, ce ni oui ni non là. Incroyable! Trop dur. Bon, je vous laisse dormir? Ouais, vas-y. Allez, il vous reste une petite demi-heure pour vous reposer encore un peu. Même si je n'ai pas l'impression que vous soyez en mode endormissement quand même. Vous m'avez l'air bien excité par la destination surprise là. Allez, je vous laisse vous reposer les coquins. Et qu'est-ce qu'on entend? Des cigales. Donc les copains et les copines, c'est encore un indice sur notre lieu surprise. Alors sur l'aire d'autoroute, il y a de quoi se détendre et se relaxer. Il y a notamment un baby-foot, mais on n'a pas de balle ou de ballon pour jouer. Donc les garçons jouent avec un Kinder Joy. Attention, s'il reste coincé dedans, c'est fini. Hein. Ça va? Tu l'as récupéré? Donc il y a deux Kinder Joy, donc il y a deux balles en fait pour cette partie de baby foot. Et c'est le gagnant qui mange les Kinder Joy, c'est comment? D'accord. Allez, challenge baby foot. Voilà comment ça se passe donc du côté de Néo. Néo qui a les rouges. Allez Néo! Allez! Ouais. Ah Néo, il faudrait déjà que tu touches le Kinder Joy. Ah! Et oui, le problème c'est que le Kinder Joy ne roule pas donc hein, c'est un peu plus compliqué. Et voilà ce que ça donne du côté de Swan, qui lui a donc les bleus. Allez. Ah, ça se précise. Et non, ça repart. Ça repart. Oh, ça permet de jouer quand même hein. Ouais. Quand même. Attention Swan. Attention, oh oui non Swan, attention. C'était en train de marquer chez toi là. Attention. Oh là là. Voilà. Ouf. Oh. Allez, un but pour Néo. C'est le grand moment de l'ouverture des Kinder Joy. Ça a l'air giga bon. C'est le Kinder préféré de Néo. Ouais. Néo, lui, n'aime que les Kinder Joy d'ailleurs, pratiquement. Bonne dégustation. Merci. Ouverture des surprises. Du côté de Néo, c'est un porte-clés avec le casque de Lewis Hamilton, et au verso, il y a d'ailleurs, touc, un autographe. Et du côté de Swan, qui veut absolument nous le montrer, voilà, c'est ton tour, petit cœur. Il y a un petit bateau avec un navigateur, et comment s'appelle ce navigateur? Christophe Colomb. Et oui, bien sûr, c'est Christophe Colomb. Retour à la voiture. On repart. Dans la voiture que nous avons louée pour notre périple, il y a un toit ouvrant, super sympa, tout en vert. Eh les garçons, vous avez vu qu'on voit le ciel? Ouais, c'est beau hein. C'est superbe. C'est super sympa, en plus on a un temps magnifique aujourd'hui. Une belle observation.
Les copains, les copines, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les panneaux. Il est indiqué le Cap d'Agde et Vias. Alors on se rapproche de la destination surprise. Donc dans cette région, on est déjà venu l'année dernière. En revanche, le lieu exact de notre périple, c'est une nouveauté pour nous et pour vous aussi du coup. Vous allez le découvrir en même temps que nous. On est bientôt arrivé, le GPS nous indique encore 5 minutes. On y est presque. Alors c'est très très joli. Il y a des bateaux. Dans 400 mètres, un petit cours d'eau. C'est une jolie région en tout cas. Et là je vous montre encore les panneaux, les copains et les copines. On y est presque, on y est presque. On ne sait pas si vous avez deviné la destination surprise. Les garçons, on y est presque. Est-ce que ça vous dit qu'on reprenne le ni oui ni non pour donner encore des indices aux copains et aux copines? Oui. Vous avez perdu, non, Swan a perdu. J'ai dit je veux bien. Néo, c'est bon, et Swan t'a déjà perdu. Est-ce qu'on va dans un parc d'attractions? Pas vraiment. Alors c'est pas tout à fait un parc d'attractions? Pas tout à fait. Oh, ça va pas beaucoup les aider ça. Hein. Est-ce qu'on va dormir dans cet endroit? Bien sûr. Bien sûr. Ah, donc c'est un endroit où on peut dormir. C'est ça. On arrive dans une minute. Donc là ça y est, c'est le grand moment. Donc les copains et les copines, on ne sait pas si vous avez deviné ou pas notre destination surprise. Est-ce qu'on peut donner un autre indice peut-être? Oui, c'est un parc aquatique. Swan, t'as encore perdu. Oui, effectivement, c'est un parc aquatique. On va dormir dans un parc aquatique? Pas du tout. Swan, t'as perdu. T'as encore perdu. Se trouvera sur la gauche. Et vous entendez? Dans 200 mètres. Ça y est, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Alors là, les copains et les copines, plus d'indices, plus rien. Maintenant, il va falloir nous dire si vous avez trouvé notre destination surprise. Les copains et les copines, est-ce que vous avez trouvé notre destination surprise? Dites en commentaire. Pensez au bébé. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est là. Partagez. On vous fait un gros bisous. On vous c'est là. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Dernier indice? Épée. Où ça y est? J'espère que vous avez bien entendu les copains et les copines.